Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec un jeu qui nous vient de chez ABBA et qui s'intitule Rhino Hero. Le but du jeu sera d'être le meilleur grimpeur de la partie et donc le joueur qui aura réussi à poser son personnage le plus haut possible dans l'immeuble que l'on va construire. Vous commencez donc par installer le matériel nécessaire, c'est-à-dire les trois plaques sur lesquelles vous allez déposer les murs. Vous aurez également trois planchers face visible, une pioche avec les autres et chaque joueur en reçoit également trois. Les joueurs choisissent ensuite leur personnage, donc leur super-héros. Le premier joueur se lance et commence par l'étape de construction. Il va choisir parmi ses cartes planchers celle qu'il souhaite jouer pour cette manche. Donc là vous voyez, ici vous devriez mettre un grand mur, les verts sont des petits. Et si vous avez en plus un singe, vous devrez accrocher un singe à la structure. Donc je choisis d'utiliser cette carte et je vais placer donc deux grands murs ainsi que ma carte plancher sur la structure ici en bas. Et donc vous ne pourrez mettre les murs que sur les grosses pastilles jaunes. Comme il y a un dessin de singe sur mon plancher, je vais donc devoir en accrocher un. Deuxième étape, je vais lancer le dé bleu pour savoir à quel étage je vais devoir positionner mon super-héros. Admettons premier étage, et bien là super, puisqu'il n'y a qu'un étage pour l'instant de construit, je vais pouvoir le poser. Comme pour l'instant il n'y a que moi qui ai joué, je garde la médaille du meilleur grimpeur et la passerai donc à mon adversaire après s'il arrive pendant la manche à grimper plus haut que moi. Donc la médaille passe d'un joueur à l'autre jusqu'à la fin du jeu. Avant de passer la main, je n'oublie pas de repiocher une carte planchée dans la pioche ou bien je peux en choisir une parmi celles qui sont posées face visible. Le joueur tombe sur l'étage 0, donc je garde toujours la médaille du meilleur grimpeur pour l'instant. Il repioche donc un nouveau plancher pour toujours avoir 3 cartes dans son jeu et c'est donc à moi de continuer la partie. Je lance à nouveau le dé bleu, je tombe sur l'étage 0 et redescends donc mon super-héros. Si les deux super-héros arrivent au même niveau, il y a donc un duel des champions, c'est-à-dire qu'ils vont lancer les deux dés, donc le bleu et le rouge. Le rouge sera en la possession du joueur donc, qui était en train de jouer pour cette manche, et celui qui obtient la plus grande somme pourra rester à l'étage. Pour l'autre, malheureusement, il faudra redescendre. Une fois les 4 singes accrochés, et bien pour les parties qui vont suivre, il faudra reprendre le singe positionné le plus bas et ainsi de suite. La structure va donc pouvoir monter vraiment très très haute. Le jeu se termine donc lorsque la structure s'effondre et donc là c'est le personnage qui était le plus haut dans la structure qui remportera la partie et donc la médaille du meilleur grimpeur. Ou alors la partie se termine lorsque toutes les cartes ont été jouées ou qu'il n'y a plus de possibilité de construction à réaliser. Et encore une fois, le meilleur grimpeur remportera donc la médaille et la partie. Il faudra donc être agile mais également stratégique pour poser les bons planchers au bon moment et en essayant de déstabiliser donc son adversaire. Voici donc pour ce jeu de chez ABBA qui j'espère vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau concours. Et surtout, soyez au rendez-vous.